Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Les femmes sont à l'honneur ce jour et l'on parle de promotion et développement du sport en Côte d'Ivoire. Et quel regard donc portez-vous sur la participation des femmes ivoiriennes dans cette promotion et ce développement du sport en Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et déjà sur la toile, il se nomme Michel Yao Kofi. Il nous écrit depuis Wawakro. C'est dans la commune de Toumoudi. Voici donc ce qu'il dit. Le sport, c'est la santé, mais malheureusement, l'intégration des femmes dans ce milieu moins en vue. Leurs différentes productions ne suscitent pas de l'engouement et loin d'être donc une attraction, car en partie on peut donc les voir donc marginalisées dans cette pratique du sport. Allez, pour lui donc il faut peut-être faire mieux. Il y a donc monsieur Jean-Gaston Laoui qui nous écrit depuis Biétry. Les femmes ne s'intéressent pas trop au sport, certaines disent que c'est un risque et d'ailleurs elles cherchent un foyer au lieu de risquer leur vie. D'autres disent qu'elles n'ont pas le temps pour pratiquer le sport parce qu'elles n'ont pas de servante, ou bien elles disent qu'elles sont là pour leur mari. Allez, autant d'arguments avancés par les femmes pour ne pas faire du sport. Monsieur Victor Azoku, il dit ceci: il faut dire que le sport féminin n'est pas développé et suivi en Côte d'Ivoire. La preuve, notre équipe nationale qui n'a jamais franchi donc les huitièmes de finale. Nous demandons donc à la fédération de jeter un regard sur le sport féminin. Bonne journée internationale aux femmes du monde entier. Salut donc depuis la sous-préfecture de Dairo Didizo dans le département de Guitry. Monsieur Bertin Toula écrit ceci: le sport féminin est un peu délaissé par nos décideurs et pourtant certaines athlètes nous ramènent des trophées non des moindres. Il faut un vrai regard sur le sport féminin en Côte d'Ivoire. Il nous écrit depuis Brobo. Sèche Clémence Co à Quadianicro, où nous devons donc nous rendre le 16 mars jusqu'au 18 pour l'aider donc à accompagner son papa à sa dernière demeure. Yako à toi Clémenceau, et puis t'inquiète, hein, toute la RTI sera à tes côtés. Nous sommes avec certains auditeurs. Divo pour commencer, monsieur Célestin Kouassi, allez, nous vous écoutons, même si c'est pas la journée des hommes. Bah, bien sûr, bien, la journée des femmes. Salutations à votre épouse. Allez, allez-y, nous vous écoutons. Faut dire que bon, les femmes ne sont pas trop intéressées pour le foot. Hein. On n'a pas dit le football. Je dis, nous avons dit le sport de façon générale. Il y a karaté, il y a handball, il y a volleyball, il y a rugby, il y a judo, il y a natation, il y a tout. En tout cas, c'est ça même. Elles sont même pas intéressées. Parce qu'il y a aussi qui disent que non, ils vont mettre leur vie en danger. En tout cas, elles sont même pas intéressées. Exemple, bon, moi, ma femme, comme ça, elle n'aime même pas le foot. C'est pas les films. Qu'est-ce qu'elle aime? Les films, bon, les films de village. Ouais, en tout cas, elle n'aime pas le sport. C'est bien noté, on a compris. Il faut donc l'aider, hein, à aimer le sport, commencer à sortir avec elle les soirs pour faire un peu de marche, ça fait du bien. Nous sommes à Rubino, oulala, ça nous rappelle Eddy Mosson. Salutations à vous, cher René, cher doyen. Il appelle donc à Alani, c'est donc à 8 km de Rubino. Monsieur Zigma Ibrahim, comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord, nous vous écoutons. La participation aux femmes. Mm-hmm. C'est à féliciter. D'accord, c'est bien noté, merci à vous. Allez, avant de retrouver donc Traoré Lassina, notre premier consultant du jour, allons lire ce message de M. Bosson Sérémy sur la toile. Il dit: en matière de sport, il faut dire que les femmes ne baissent pas du tout les bras. Si aujourd'hui la randonnée pédestre a donc pris de l'ampleur, c'est grâce à l'engagement des femmes. Au niveau donc de l'athlétisme, les femmes nous apportent beaucoup de trophées au plan international. C'est au niveau du football que les choses tardent à se mettre en place, mais là aussi, il y a donc du mouvement, les clubs s'organisent. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. La femme est prête donc à prendre sa place dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Monsieur Assé Bosson Rémy qui nous écrit depuis Yopougon, Trois Rouges. Il se nomme Christophe Kwame. Il dit ceci: bonne journée à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ce n'est pas une femme qui pilote aujourd'hui l'émission? Et c'est vous-même. Allez, vous en faites surtout pas. Et il dit ceci, c'est donc une question très profonde, je dirais, en Côte d'Ivoire. Le sport féminin est délaissé. Au contre, or certaines se démarquent en remportant les grands trophées, Baguirut, etc. Donc il leur faut une prise de conscience, surmontée sur la peur et le stress. Elles iront loin. Lit que nous écrit donc depuis Bomi Zambo. Merci. Quand tu travailles la Sénégal. Mais pourquoi vous riez? Non, ça va, vous en faites pas. Moi, chez moi, ça joue au volleyball, ça fait du judo. Non, je suis en difficulté, mais bon, je fais aller. Allez.
journée aujourd'hui, on dira forcément, on va quand même inciter toutes les femmes à pratiquer quand même une branche de sport. Vous savez quoi, vous savez quoi? Elles ont toutes arboré fièrement le pagne du 8 mars et pourtant, il n'y a aucune qui porte un t-shirt ou un polo pour aller faire du sport. C'est ça le problème. C'est ça aussi le charme des femmes. Mais moi, je pense que, je pense que les femmes ivoiriennes ont des atouts en sport. Oui. Depuis un certain moment, elles ont été longtemps sous-estimées au niveau de ce sport-là. Pourtant, elles possèdent certaines qualités que les hommes n'ont pas. Par exemple, la souplesse, et ça, on peut la valoriser. Mmh. Et on a aussi l'exemple du sport féminin, un domaine à travers lequel une grande promotion de la femme en agissant sur le terrain pour favoriser la pratique pour tout. Et puis surtout, soutenir le niveau, hein, le haut niveau et les événements féminins, mobiliser les réseaux pour faire bouger les lignes et pourquoi pas médiatiser pour faire connaître et donner envie à ces femmes-là qui restent longtemps à la maison sous prétexte qu'elles doivent s'occuper de leurs hommes, ainsi d'ici, aller dans les mariages ou les cérémonies, etc. Mais je pense aussi qu'avec le temps, les femmes évoluent, car beaucoup, nombreux sont ces femmes-là qui, au cours de l'histoire, hein, auraient pu dire qu'en effet, leur place dans le sport a été difficilement obtenue. Hein, parce que, bon, là, monsieur s'opposait, le papa s'opposait, etc. Mais avec le temps, elles sont en train quand même de prendre goût, malgré l'inégalité en compétition, en salaire et en sponsoring. Donc, je pense que quelque part, nous, les hommes aussi, nous devons jouer un rôle prépondérant dans la mesure à encourager, pourquoi pas, nos femmes, nos copines, nos maîtresses, ainsi de suite, si je peux me permettre de le dire. Allez-y. Je peux me permettre de savoir qu'au niveau du sport, il y a quand même non seulement la santé, il y a les moyens, et elles peuvent aller au-delà des hommes. On le voit en Europe, on a vu l'Angleterre qui a remporté le mondial féminin, et donc, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, nos jeunes sœurs, je pense que ça, c'est mon point de vue. D'accord, c'est bien noté. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous inspire, en tout cas, la femme et le sport en Côte d'Ivoire? De plus en plus, on voit que les femmes s'intéressent au sport, surtout au football. Et puis on voit des jeunes filles lors des matchs au Champou qui ont fait des statistiques. On allait voir un taux élevé ces dernières années. Même souvent, quand tu passes dans la ville, tu es quelque part, il y a une femme qui t'interpelle, qui dit « Ah, attention, voilà, on vous suit à la télé, on vous suit, on suit les émissions de sport. À cause de vous, on s'intéresse au sport. » Vraiment, c'est, je vois, moi, honnêtement, je vois un engouement, et ça, c'est très intéressant. Et je pense que là aussi, ça doit être une volonté politique aussi, d'amener l'État vers le sport. Aujourd'hui, quand tu prends la Fédération internationale de football, la FIFA, où les dirigeants mettent un point d'honneur sur le développement du football féminin, ils mettent beaucoup de moyens. Vous voyez aujourd'hui les compétitions féminines là qui sont bien organisées. On a vu l'Euro féminin, on a vu la dernière Coupe du Monde, on voit un peu la Ligue des Champions féminine. Vous voyez comment ça se déroule. Bon, à l'époque, on sait que les femmes s'intéressent beaucoup au sport collectif, au handball, au basketball, le volleyball et autres. Maintenant, je pense que chez nous, si on veut vraiment booster ce sport-là au niveau des dames, il faut une volonté politique, il faut une vraie politique pour amener ces femmes-là, ces dames vers le sport. Parce que quand tu regardes l'athlétisme comme ça, on voit ce que nous procure les Aouré, les Talou et autres. Aujourd'hui, au taekwondo, on voit un peu Babu 8, on voit Traoré, Alima, elle procure beaucoup de bonheur aux sportifs. Donc, je pense que les femmes ont un rôle important, importantissime à jouer dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Chagnon du Monde, et merci également à Coach Traoré Lachina. On va simplement souhaiter très bonne journée à toutes ces femmes et surtout espérer qu'elles soient de plus en plus nombreuses au sport, hein, puis les mondes de foutou et puis bon, faites un peu plus de sport, ça fait du bien. Merci à tous, d'ici là, portez-vous bien. Elle, mieux que personne, savent consoler le cœur des hommes. Elles sont la douceur, la voix de la paix intérieure. Elles savent